Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue sur votre carrière à Abo 2016. On attaque, on continue sur notre lancée. On est toujours du côté d'Espagne. On va essayer de finir ensemble sur cet épisode la Vuelta Ciclista El País Vasco. Et entre-temps, on passera aussi un peu de temps du côté de l'enfer du Nord. Je ne sais pas si ça va passer cette fois-ci. On risque de se quitter hein, sur une étape de l'enfer du Nord. Allez, la dernière fois, on s'est quitté avec la victoire de Boutana, le leader de la formation Cannondale Garmin, qui s'est imposé avec 17 secondes sur le leader du classement général, Simon Gerrard, vainqueur du Tour Down Under 2016 devant Ricky Porte. Sergio Luis Henao qui a complété le podium, et il est 4ème à 1 minute 4, et je vous laisse regarder vos coureurs, vous avez eu l'occasion de le refaire déjà hein, sur l'épisode précédente. Mais l'abondance ne nuit pas comme on dit. Je vous laisse regarder. Donc j'ai vu qu'il y avait Tom Dumoulin qui faisait moins de bruit. Ah tiens, il y avait Mister PCM aussi, le jeune coureur d'information Astana. Je sais pas si vous êtes déjà identifié hein, sur une étape ou une vidéo. L'abondant de Philippe qui s'est, je pense c'était luxation de coude, Benyat Intsosti, la recrue aussi phare de la formation britannique Sky. Benyat Intsosti qui accompagnera Fabio Michel Landa sur les routes italiennes du Giro. Fracture de la pophyse pour l'Espagnol de 29 ans. Allez, il n'y a pas trop de résultats de ce côté. Peut-être Giro, bon ça c'est... ça je pense que je les ai présentés. Hein. C'est une course du côté de Continental. 1.2. Notre abonné de Bermude, je sais pas si tu t'as déjà fait quelque chose. Moses Joseph. Allez, on va quand même regarder un petit peu du côté de l'infirmerie s'il n'y a pas des blessés. Peut-être que votre absence s'expliquerait par le fait que vous soyez blessé. Enfin, je vous le souhaite pas. Il y a Esteban Chavez qui a du mal. Hein. Va se remettre un virus aussi pour connaître Julien. Vasil Kiryanka, fracture de la clavicule. Alexander Christophe, vainqueur de 3 étapes du Tour de Dubaï cette saison. Fracture également pour lui. Allez, regardez votre coureur. Peut-être qu'il y a Peter Sagan, hein, toujours parmi de sa fracture du crâne. Le champion du monde actuel. Voilà. Et on va aller regarder notre abonné de Bermude. C'est en Continental. Et c'est l'équipe. Est-ce qu'il y a encore dans l'équipe? Malneri Anayel. On va aller regarder si t'as déjà fait un résultat là-dessus. Là déjà. 10ème place, hein, t'as fait une 10ème place, Trofeo Piva. Bien joué à toi. Hein. 15 ans, 10ème place. Je pense que t'as déjà. Ça commence à pousser hein, tes caractéristiques. Je sais plus combien t'avais. Je pense qu'il n'y avait pas de verre la dernière fois qu'on est venu visiter ton coureur. Voilà. Donc on va attaquer alors les amis, si vous voulez bien. On continue les routes espagnoles avec l'Alto de l'Aia. Qui sera je sais pas si ça va passer parce que chaque fois ça crache cet alto. Voilà les favoris: Alejandro Valverde, Boutana, Daniel Martin, Vincenzo Nibali, Alberto Contador 6ème et Simon Gerrard qui va défendre encore. Il a 32 secondes d'avance sur notre leader qui va monter en puissance. En attendant je pense qu'il va remporter, sincèrement je pense qu'il va remporter cette Vuelta Ciclista El País Vasco. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite pour les derniers kilomètres de cette 4ème étape. C'est parti. Et voilà donc ce que je redoutais. Cette étape n'est pas quasiment pas. Ça fait quand même plusieurs saisons que je joue. Mais cette étape, celle-là, n'est pas jamais. Ça crache toujours donc. C'est dommage parce que je tentais faire un coup avec notre leader. Bon, on va le faire. On va simuler. On va lui demander suivre les attaques. On va demander à Slacter d'attaquer
Et lui, s'il peut suivre les attaques, déjà, c'est bon. Les autres peuvent rouler Joe Dobrowski, la Sun Cradock. Voilà, Ali Boutana qui va tenter de revenir. Il est à 32 secondes de Simon Garrett. Hein, j'espère que ça passera. J'hésitais entre le faire attaquer ou bien suivre les attaques. Mais on va voir ce que. Enfin, ce qui était bon comme tactique. Aïe 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 aïe. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc il termine 5ème à 18 secondes et il prend quand même la tête. Ça c'est quand même bien, cool, parce que Simon Garrett ça finit loin. Thibaut Pinot a fini 10ème, il est 19ème, Gilda Fictana à 4 minutes. On vous laisse regarder vos coureurs, voilà. Boutana qui prend les commandes maintenant de cette Vuelta Ciclista Pes Vasco, mais Alberto Contador là dans le viseur. Avant la 5ème étape qui sera l'étape de l'Alto de l'Aia. Ça sera encore une étape exigeante. Donc je laisse regarder vos coureurs. Et nous on va se retrouver alors pour la 6ème, la 5ème étape de cette Vuelta Ciclista El País Vasco. Et voilà, donc de retour sur la route espagnole, 5ème étape, avant-dernière étape avec l'Alto de l'Aia qui s'apprête à gravir le peloton. Un peloton emmené rapidement par la formation Movistar d'Alejandro Valverde. On retrouve Alberto Contador, 2ème du classement général dans les premières positions à 12 secondes de Boutana. Daniel Martin qui est là, ce sont des gros leaders qui sont là, il faut être devant. Contador a tout compris, Diego Ulissi aussi. Boutana à l'arrière du peloton, c'est pas du tout la bonne position pour notre leader. Tom Slater qui est là, on va Boutana qui va se repositionner maintenant, il monte au tempo, il va retrouver des premières positions. C'est Jesús Herrada, Kizerlowski qui accélère. Alejandro Valverde qui garde en fait le contact, le sillage, il faut pas laisser partir ce groupe là. Voilà, dans le leader du classement général qui reste un peu dans le sillage. Oulala, ça a presque cassé. Il faut garder la roue d'Alberto Contador. C'est Jesús Herrada qui est en train d'imprimer le tempo. Alberto Contador qui recolle tout de suite. Il veut pas se faire avoir aussi. Non plus, plutôt. Ah là là. Je vous ai dit, hein, je vous avais dit que cet alto va être exigeant. Voilà. On a basculé 52 coureurs ici. Boutana toujours devant. Alberto Contador bien entouré. Tom Slater qui ferme un peu la marche. Allez, Jesús Herrada. Boutana devant. Kizerlowski. Jesús Herrada. Tom Slater à l'arrière avec Mirai Kudus. Vincenzo Nibali qui est là. Fabio Aru. Roman Kreisiger. J'ai pas vu de Gilda Fictana. J'ai pas vu de Fictana ici. On laisse rouler la formation. la formation. Movistar, enfin la formation Tinkoff Saxo maintenant qui reprend le contrôle avant la dernière difficulté, dernière montée de l'Alto de l'Aia. Je vous montre le pourcentage. Il faudra bien gravir ça parce qu'il restera encore. On va gravir ça deux fois. Trois fois. Donc la première fois c'était avec Jesús Herrada. Et maintenant on y va pour la deuxième fois, l'Alto de l'Aia. Alberto Contador, Joaquim. Alejandro Valverde dans les premières positions, c'est parti. C'est parti, deuxième montée. Ici, il faut le faire dans le sillage de Movistar, des Tinkoff Saxo. Alberto Contador, donc on est revenu sur l'homme de tête. On laisse rouler encore Roman Kreuziger. Alberto Contador qui laisse un peu ce coéquipier rouler.
Boutana qui passe devant et qui va essayer d'étirer un peu ce groupe-ci. Et il est parti, ça n'a pas suivi. Il est sorti, Boutana. Son coéquipier qui reste ici pour contrôler. Ah, ça doit bouger. Alberto Contador qui a compris, il a bougé. Ah, Julian Alaphilippe aussi qui bouge. Alberto Contador qui va revenir sur le leader du classement général. On va regarder le comportement du Conquistador. Alberto Contador qui bascule avec Boutana Ali, roue dans roue, le deux premiers du classement général. Ah, il s'explique là. Il s'explique très fort. Alberto Contador qui reprend tout de suite la direction de cette échappée. Et Boutana qui s'agrippe dans sa roue. Ah, ça laisse pas partir, hein. Ça laisse pas du tout partir, c'est revenu. C'est revenu de derrière. Boutana qui perd un petit peu de distance là. Il perd 2-3 mètres. Il doit revenir au tempo. Il va recoller. Ça va se jouer ici le sprint. Attention. Boutana, il fallait être devant. On va lui appliquer le gel. Il tente en fait de recoller dans la route d'Alberto Contador. Mais c'est très dur le pourcentage. Regardez-moi l'effort qu'il est en train de faire. Les leaders du classement général. Il veut aussi la victoire d'étape. De toute façon, il va pas concéder beaucoup de temps ici. Il va lancer son sprint de très loin. Ah oui. Ah oui, ah, Samuel Sanchez qui lui chip la victoire. Victoire donc de Samuel Sanchez devant Ali Boutana et Alberto Contador. Je pensais qu'il avait fait le plus dur. Mais voilà, Alberto Contador qui a bien défendu, hein, qui est bien revenu. Il a répondu présent. Et Simon Gerrans qui a terminé 6ème, 5ème plutôt sur cette étape. Allez, je vous laisse regarder, voilà, j'ai de la Fictana qui vient de passer, je vous laisse regarder vos coureurs et on va se retrouver alors pour le chrono final. Je pense que la victoire finale reviendra au coureur roumain de 26 ans. Allez, c'est parti pour cette dernière étape de la Volta Ciclista El País Vasco avec Mr. Ben Angevin, le coureur de la formation âgé 2 heures la mondiale. Je vous montre le parcours. Donc c'est l'Alto de l'Aya qu'on va gravir aussi à deux reprises pour finir ces tours d'Espagne. Volta Ciclista à Catalogna. Non, El País Vasco plutôt. Voilà, Mr. Ben... Le jeune coureur de la formation, c'est plutôt un sprinter lui, hein, je pense. Voilà, il va passer troisième temps au niveau du premier intermédiaire. Ensuite, c'est l'Alto de l'Aya. C'est parti, 10%, regardez-moi le pourcentage de cet Alto de l'Aya. Il est en train de revenir sur Watcheid, la balle devant. Ah, il relance sur sa machine le coureur de la G2R, la mondiale. Et il y a le départ aussi de Mister PCM. Le coureur de la formation Astana. On commence à voir un petit peu partout. On commence à prendre un peu de dimension dans cette formation kazakh. Il continue aussi son apprentissage. Ah là, il est loin.
va au niveau du premier intermédiaire, mais lui il va trouver une portion qu'il affectionne, voilà, quand ça va monter, il sera dans son terrain de prédilection, faudra vraiment le surveiller, c'est un futur grand. Il a déjà des bonnes notes, une grosse accélération pour son âge. J'espère que la formation kazakh lui accordera plus de chance. Hein. Peut-être pour la deuxième partie de saison, enfin la dernière partie de saison. Allez, on va rester du côté de Mister PCM qui a fait 12e temps au niveau du deuxième intermédiaire. Allez, dernière montée dans le kilomètre, le deux derniers kilomètres pour Mister PCM. Monsieur Ben Angevin, je sais pas ce que t'as fait comme temps. Chavanel, Rencho et PCM qui revient sur Gaudin. Voilà, dans le virage. Allez, le temps. 7e temps à 12 secondes de Watcheido. Et le départ du coureur de la Team Kopf Saxo, le coéquipier d'Alberto Contador et Meloxide. Un de peinture également, le polonais. Pardon. On va accélérer parce que... Voilà, on va quand même essayer de voir tout le monde. On va essayer. Je garantis rien. Voilà, Ebloxide qui s'élance. Alors qu'on attend le temps de Joe Dobrowski qui va sûrement améliorer le temps. Allez, le temps ici. 38e temps. Non, 65e temps plutôt. Attendez, on va revenir sur vous. Joe Dobrowski, 3e temps. On va aller chercher notre abonné. Mloxide, voilà. Mloxide qui a fait 68e temps à 44 secondes, donc meilleur temps pour Joe Dobrowski. Et je pense que Tom Danielson va encore améliorer le temps. Antonin Herbert aussi qui s'est lancé derrière. Allez, Tom Danielson qui a mis une minute à son coéquipier. Je pense que ça sera le festival Cannondale-Garmin hein, sur ses chronos. Antonin Herbert, je pense que c'est, il fait partie des coéquipiers, enfin des abonnés les plus utilisés dans leurs équipes. Meilleur temps pour l'Espagnol de la Movistar, coéquipier d'Alejandro Valverde. Mais il va s'écraser hein, sur le temps de Tom Danielson, parce que là, c'est une portion qui favorise les grimpeurs. L'Alto de l'Antigua, l'Alto de l'Aya plutôt. Allez, il est en train de revenir sur Ahmed Tsuruka, le coureur de l'Orica Green Edge. On attend encore le temps ici de Antonin Herbert. Voilà, il perd maintenant, il perd. Il est quatrième à 18 secondes. Et voilà donc le dernier kilomètre pour lui. Et il est toujours dans la roue de Ahmed Tsuruka. La puissance développée par l'Espagnol qui n'avance plus. Il fait du surplace là. Voilà, donc il n'aura pas le temps, enfin, tu n'auras pas la force d'aller chercher le temps de Tom Danielson. Voilà, 8e temps à 2 minutes de Tom Danielson. Et voilà le départ du leader de la formation FDJ Nolan Sorbonne. 19e du classement général. Il va tenter de sauver la face pour la formation française de jeu. Et Gilda Fictana, 15e, qui va essayer. Lui, je pense qu'il fera un bon chrono. Le top 10 est lancé, je pense. Gilda Fictana, Simon Spilak, Nolan Sorbonne. 7e temps. Au niveau du premier intermédiaire pour Nolan Sorbonne. Allez, il est où? Thibaut Pinot, 14e. Gilda Fictana. Damiano Caruso.
Nolan Sorbonne. Qui est en train de revenir sur Igor Anton. Allez, le temps ici. 12e temps. Je pense qu'il faut... Il faut jouer maintenant. Parce que là, c'est parti. Alberto Contador dans le starting block. 14 secondes qui séparent le conquistador de notre leader, Boutana, qui est parti. Oh là là, plus 4, c'est génial. On va aller regarder nos abonnés. Désolé, Boutana, toi, t'es, on te voit tout le temps. De toute façon, tu es dans l'équipe... mon équipe, quoi. Allez, il est où, Nolan Sorbonne? Pino. Ah là là, il a presque fini. Voilà, le kilomètre maintenant pour les leaders de la formation. Un des leaders de la formation FDJ, Nolan Sorbonne, qui va tenter de faire quand même sauver la face ici. Dans ses chronos aussi. Ça va être dur d'aller chercher Tom Danielson. Il était dans un grand jour. Peut-être Boutana qui va aller le chercher. Voilà, ah là là, 1.46 pour Nolan Sorbonne. Allez, Boutana ici, qui va arriver dans le premier intermédiaire. C'était qui encore après? Allez, Boutana, ne joue pas dans le premier rôle, c'est pas grave, hein. Il va monter en puissance. Allez, Fictana qui va revenir, il y a Pino qui revient sur Gilda Fictana. Ah, c'est pas le grand jour hein, pour Fictana. Complètement à l'arrêt, le franc-comtois qui est en train de revenir sur Fictana. Fictana très très loin de standard, de leader. Voilà, Fictana tentant. Et là, on est avec Tom Yede Slakter qui va peut-être aller reprendre un peu de temps là de son leader. De Tom Danielson, leader du classement général. Classement montagne, voilà. Allez, on va rester avec Boutana pour les 6 derniers kilomètres. Les leaders de la formation Cannondale Garmin. C'est parti, il a 14 secondes d'écart qu'il y a entre lui et Alberto Contador qu'on voit un peu plus loin là-bas. Quasiment à l'arrêt aussi. Allez, le temps de Tom Slakter qui va en terminer. Quatrième temps pour Tom Slakter à 1.7. Allez, Boutana. Meilleur temps ici de Boutana. Ouais, je pense que c'est lui qui va remporter cette Vuelta Ciclista El País Vasco. Ça sera son deuxième tour après le tour d'Argentine. Alberto Contador qui est là-bas devant. Est-ce qu'il aura les jambes pour aller chercher Alberto Contador, lui mettre un coup sur la tête? Alberto Contador qui n'avance plus. Boutana qui relance, qui est en train de revenir sur Alberto Contador dans les rampes les plus dures ici. Il revient sur le pistolero et il va même déposer Alberto Contador. Oh là là, quelle image qu'on a là. Alberto Contador déposé par les leaders du classement général, Ali Boutana. Quelle démonstration d'Ali Boutana qui est en train aussi de revenir sur Luis Leon Sanchez. Ah là là, ça sera le temps, attention au temps d'Ali Boutana et la victoire d'Ali Boutana. 50 secondes de Tom Danielson et Alberto Contador qui va terminer à 2 minutes 31 de Boutana. Victoire de Boutana et qui donne rendez-vous pour les classiques ardennaises. Il est en jambes, on l'a vu, 2 victoires d'étape sur ces routes espagnoles et... Il prend le classement général, 2 victoires d'étape, il part avec le classement, la tunique de leader et la tunique de points. Tom Danielson, lui va prendre la tunique de meilleur grimpeur. Voilà le classement avec Tom Slakter qui remonte à la 7ème place. Il n'y a pas d'abonnés, sauf Ali Boutana qui remporte cette Vuelta Ciclista El País Vasco. Allez, on va se retrouver les amis pour, je pense, si ça veut bien passer, le tour l'Enfer du Nord, Paris-Roubaix, et on se quittera donc sur Paris-Roubaix. C'est parti!
pas de Paris-Roubaix cette saison, encore une fois de plus, comme déjà pas mal, donc la ronde Van Vlaanderen, on l'a pas faite. Pas de Paris-Roubaix aussi, non plus. On va attendre, donc on va simuler tout simplement, on va regarder les favoris, donc Fabian Cancellara, Sepp Van Marck. Voilà, les coureurs qui sont engagés. Essayez de retrouver votre coureur ici. Je vois vu Tuplos de la Tinkoff Shadow qui va emmener la Katusha. Qui d'autre? Antonin Herbert qui sera du côté de la Movistar. Lars Boom, Mister PCM pour la formation Astana. On va simuler, ensuite on fera une étape vraiment là, une course d'un jour. Ça sera notre dernière vidéo. Et on se quittera là. Voilà, la 13ème place de Matip Rechel et la victoire de Niki Terpstra devant Sepp Van Marck. Un groupe, c'était un groupe de 3 je pense. Fabian Cancellara a craqué et Sepp Van Marck a été battu au sprint par Niki Terpstra. Je vous laisse regarder vos coureurs. Et nous on va se retrouver alors pour la dernière vidéo de notre série. J'adore ces coureurs, juste son nom, Brent Buchwalter. Donc on va se retrouver les amis pour la dernière étape de notre épisode. Et je pense que ça va se calmer, ça va se tasser un moment. Et on reprendra au niveau du classique Ardennaise. Voilà, donc à tout de suite alors pour l'étape, la course d'un jour. C'est comment ça s'appelle encore? Classique à Primavera. C'est parti. Et voilà, donc c'est parti pour le 25 dernier kilomètre. Je crois pas qu'il y ait un seul abonné sur cette étape, sur cette course d'un jour. On a derrière Quintana, ici le frère de Nairo Quintana, vainqueur du Tour Saint-Louis au début de saison. Il est en train de protéger Ion Izaguirre. Les Movistar qui sont devant, Alessandro De Marchi qui est là aussi. On retrouve Joaquim Rojas, Luis Leon Sanchez et Kizerlorski, Paulinho qui protège Kizerlorski. Il reste une dernière difficulté. C'est pour Puncher. Simon Clark qui est en train de rouler en tête pour Tom Slachter. 7ème hein, de la Volta Ciclista El País Vasco. Attendez, on va passer le bidon à tout le monde. Ensuite on revient. Qu'est-ce qu'il dit Ion Izaguirre? Ou Kylen. Allez, on va essayer un peu d'accélérer là avec Simon Clark. Comme ça, Slachter va rester dans le sillage de son coéquipier qui durcit la course. Allez, c'est parti. La montée. À 15 km de l'arrivée, c'est Simon Clark qui est en train de rouler. Ça part peut-être ici, ça part, oui, ça part avec quelqu'un qui est sorti là. C'est Ion Izaguirre qui sort. Il sort tout de suite Simon Clark, non, Slachter qui laisse encore rouler son coéquipier. Il est dans le sillage de son coéquipier. Ça continue encore, ça bouge. Mais Slachter n'a pas bougé. Mais ça, il ressort encore. Ion Izaguirre qui est parti. Je pense que c'est le plus fort ici dans le groupe. Slachter ne bouge pas encore. Il a 24 secondes, il a fait le trou. Il a fait le trou là, je pense que c'est bon, hein. C'est peut-être lui le plus fort dans le 10 dernier kilomètre. Ah, si ça échappe à Ion, à Tom Slachter, c'est classique d'un jour. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud d'aller chercher Ion Izaguirre. Il a fait fort. Allez, ça tente encore. 23 secondes, on est encore très loin, à 9 km de l'arrivée. Il restera encore une dernière difficulté. Ce sont les BMC qui sont en train de rouler. Slachter n'a pas encore bougé. Voilà, c'est ici qu'il doit maintenant revenir. C'est là. Dans les 5 derniers kilomètres, je vous montre un peu ce qui est en train d'attendre.
voilà le mur ici. Est-ce qu'il va avoir les jambes, le jump pour aller chercher Sion Izaguirre? Allez, il va accélérer maintenant. Il faut qu'il accélère. C'est ici ou jamais. Ah, il s'est fait avoir. Il s'est fait royalement avoir là. Il reste plus que la descente. Est-ce que... Non, je pense que c'est fait. C'est Tom Slakter qui va... non, c'est Yon Izaguirre qui va enlever ses classiques d'un jour. Cette étape victoire du coureur de la Movistar. Izaguirre qui s'impose dans les 700 mètres. Et oui, donc à très vite les amis pour la suite de notre carrière. Portez-vous bien. Ciao.